Quelle place entendez-vous donner concrètement à l'écologie dans la feuille de route gouvernementale et dans les choix économiques ? La majorité qui gouverne, toujours dans des conditions difficiles, essuie une défaite. Et il faut toujours, Madame Pompili, en tirer les leçons. Et il faut toujours être à l'écoute, non seulement de la majorité, mais d'abord des Français qui, par leur vote ou par leur abstention, ont exprimé leurs attentes, leurs exigences, leur désespoir et souvent leur colère. Madame Pompili, la place des écologistes, elle est dans la majorité et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elle est pleinement au gouvernement, c'était le cas il y a un an. Nous devons nous rassembler, mais pas uniquement la majorité, et la porte est toujours ouverte et la main est tendue. Mais tous les Français, parce que ce que je tire comme leçon de ces élections, et ça vaut aussi bien pour la majorité que pour l'opposition, c'est que le pays, à travers l'abstention, à travers le vote de l'extrême droite qui reste particulièrement préoccupant, est profondément divisé, profondément fracturé. Que ces divisions, elles sont présentes. Et que notre responsabilité collective, et la mienne donc, c'est de rassembler. C'est de rassembler bien sûr la gauche, mais c'est de rassembler les Français, parce que je pense que le pays a plus que jamais besoin d'apaisement et d'unité, et que chacun, si vous ne voulez pas, chacun doit y prendre sa part.